Donc, sur ce montage, qui n'a plus de couleur conventionnelle, puisque là on a du bleu clair et du noir, c'est le noir, la phase. Et donc le neutre, le grand N doit aller sur celui-là, ça c'est le noir. Donc la phase doit aller ici. Donc ça, c'est l'interrupteur qui correspond à ce plafonnier. Mais j'ai déjà expliqué dans un épisode précédent que je ne pouvais pas me fier seulement à l'interrupteur pour intervenir, pour couper le courant. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai expliqué dans un épisode précédent que je vous ai mis dans la description sous la vidéo. En aucun cas, je peux me contenter juste de couper ici. À la place, il faut que j'aille sur le tableau électrique et que je cherche le fusible. Ouais, c'est bien celui-là. Ça coupe plusieurs luminaires en fait, hein, plusieurs plafonniers. Donc là, c'est bon, je peux intervenir. On a un gros fil de terre ici, jaune et vert, qui arrive et sur lequel est branché tous ces fils de terre, donc qui correspondent au nombre à peu près au nombre de lignes et au nombre de fusibles. À peu près, très à peu près, hein, moi je suis un amateur dans ce domaine. Donc là, j'ai bien un fil de terre. J'ai un espace libre ici d'ailleurs. Si je veux rajouter un fil de terre, peut-être que je pourrais passer par là. Donc le plan, c'est d'utiliser mon multimètre en mode mesureur de tension alternative. Et je vais avoir une des bornes ici. Je vais mettre sur la masse ici. Et l'autre borne, eh ben, à un de mes deux fils électriques de mon luminaire, de mon plafonnier, pardon. Bien sûr, c'est pas du tout réglementaire. Moi, je fais avec ce que j'ai. Et puis, j'ai déjà un testeur de tension, c'est pour montrer à ceux qui n'en ont pas qu'il y a un besoin urgent de se débrouiller. Une méthode. Et c'est pas parce que je le montre que vous devez le faire. Avant de mesurer, je vais faire un test de continuité. Je vais bien vérifier qu'il y a contact, qu'il y a continuité électrique. Donc, ok. Ouais, donc c'est bon. Donc encore une fois, moi je vous conseille de prendre un vrai câble électrique, une rallonge électrique ou un fil électrique gainé. Là je me débrouille avec ce que j'ai sous la main, faute de mieux. Et il faut absolument pas que ça touche le sol. Bon là vous le voyez pas très bien avec la perspective, mais il y a bon 30 cm entre le point le plus bas et le sol, puisque il y a un des deux fils, c'est la phase, il demande qu'à rejoindre le sol, donc il faut évidemment pas qu'il y ait des parties dénudées du câble qui touchent le sol. Donc je prends mon multimètre en mode
Voltmètre alternatif, 300. Bah là, il n'y a pas le courant, donc ça devrait, ça mesure rien du tout. Voilà, vous voyez, 0. Et là, je mets le courant. Et j'ai aussi, bon, j'ai quoi, 1 volt, 5 volts. Parce que je suis bien sur le neutre. Je sais que je suis sur le neutre. Maintenant, on va tester l'autre fil, qui a priori est la phase. Alors, non, rien que là, je sais par ordre d'élimination que l'autre, c'est la phase. Mais tout de suite, je coupe le courant. Je coupe le courant avant de changer ma pince croco de position d'un fil sur l'autre. Donc là, courant alternatif. Je mets le courant. Il n'y a pas le courant. J'ai une valeur bizarre. Hein. J'allume. Et je mesure. Voilà, 250. Là, je suis sur la phase, le rouge. J'enlève. Donc, je sais que j'ai la. Je sais que ça, c'est la phase. Alors, si vous n'avez pas de fil de terre, comment on fait? Technique numéro 3. Eh bien, on va aller chercher un tuyau de cuivre de plomberie dans le foyer. Là, par exemple, j'ai ce cumulus ici. Et bien, dessous, j'ai les tuyaux en cuivre. Donc là, je peux me mettre en connexion avec le réseau de plomberie. Là, ça s'y prête bien parce que c'est bien un tuyau de cuivre. Donc, au lieu de me brancher sur le fil de terre du compteur électrique, je me branche ici. Donc, je mesure la tension avec mon multimètre en mode voltmètre alternatif entre une extrémité d'un de mes deux fils et ici. Et après, je change. Parce que l'idée, c'est que le réseau de tuyaux en cuivre va profondément dans le sol et donc il est en contact avec la terre. Bon, c'est pas aussi bien qu'une vraie un vrai fil de terre. Hein. Le contact n'est pas aussi bon. Mais sur le principe, ça marche et il y a plein de vieux appartements où pour tirer des fils à la terre, on s'est branché sur des tuyaux en cuivre, même si c'est pas comme ça que font les professionnels. Pareil, voilà, là c'est mon évier. J'ai deux tuyaux de cuivre. Un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide, je peux me brancher directement là-dessus. Donc là, je vous montre le troisième montage, la troisième solution. Attention, je vous conseille de ne pas faire ça vous-même. Hein. Moi, c'est à but expérimental. Je suis adulte. Je ne suis pas un électricien professionnel. Je n'ai pas conscience de tous les risques qu'il y a à faire ce que je fais. Faites attention, c'est dangereux. Je vous déconseille de le faire. C'est plus pour du renseignement ou de la débrouillardise exceptionnelle. Donc, j'ai légèrement gratté au papier de verre le tube de cuivre. Il y a un premier wagon. Le fil électrique qui passe ici. Fil électrique qui passe ici. Bien sûr, vous préférez un fil électrique qui fait la totalité de la longueur du câble, puisqu'à chaque wagon, il y a un risque que le courant sorte par ici. Hop. Donc, on arrive au voltmètre, ici, qui est en mode multimètre courant alternatif 300 volts. Et là, à l'autre borne, on a un petit montage qui va au fil rouge. Je sais déjà que c'est la face. Hop. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Là, je l'ai mis sur le mauvais fusible. Alors, là, je vais. Ah, c'est marrant, ça oscille. Le fusible est coupé, hein, pourtant. Bon, je vais allumer le fusible. Maintenant. 1, 2. Ah voilà, on a bien
Alors là, plus de 250 volts, hein. Ça voudrait dire que le tube de cuivre a une tension légèrement négative. C'est une question que je pose aux électriciens professionnels. Donc je vais éteindre. Au niveau du fusible, 1, 2. Voilà. Hop, j'ai plus rien. Maintenant, je vais déplacer le fil qui se trouve ici et je vais le passer du rouge au bleu. Voilà, ça y est, je suis sur le bleu. J'ai délaissé la phase, le rouge. Hop. Et on va faire belote et rebelote. Je vais mettre le courant au niveau du fusible. Et voilà, j'ai aucune différence de tension. Parce que c'est normal, le neutre, il est censé être mis à la terre. Donc on voit que ça marche. Effectivement, on peut se servir de ce tuyau de cuivre comme de mise à la terre, de secours, en tout cas pour mesurer, pour identifier ça. Alors s'il vous plaît, faites attention parce que véritablement il y a des dangers à plusieurs niveaux. Là on est sur de la débrouille, de la bricole, surtout sur les techniques 2 et 3. Parce que en tant que profane, en fait quand on est profane et qu'on commence à bidouiller des choses comme l'électricité de 130 volts alternative avec des conventions qui ne sont pas du tout intuitives, il y a en fait, on ne le sait pas en tant que profane, mais il y a mille et un détails qui font que on s'en rend absolument pas compte. Mais on marche sur des œufs, il y a des choses qui pourraient mal tourner très très rapidement, donc faites attention. D'ailleurs, j'invite les professionnels, les électriciens qui passeront par là, qui s'y connaissent, à faire part de leurs remarques constructives dans la description sous les vidéos, s'il vous plaît. D'ailleurs, au cours des techniques numéro 2 et numéro 3 que j'ai appliquées, en fait, ce qui est quand même très intéressant, c'est que je crois que ce genre d'opération, ça permet de se rendre compte si on a une fuite d'électricité, c'est-à-dire une mauvaise isolation. Parce qu'en fait, à un moment donné, je mesure une différence de tension entre une phase qui est censée ne pas être alimentée et la terre. Et il y a du courant qui passe, et avec une oscillation. Et ça, je me demande, vous me direz, les électriciens, je crois qu'en fait, je viens de démontrer qu'il y avait un problème dans mon installation électrique, qu'il y a une fuite, un petit peu de la même façon que des fois, on a des fuites d'eau ou des fuites de liquide de refroidissement. Je crois que c'est absolument pas normal. Donc c'est quand même intéressant d'avoir vu ces méthodes puisqu'elles répondent à la question aussi comment détecter un problème d'isolation électrique. Il doit y avoir quelque part peut-être un câble qui a été abîmé, partiellement dénudé ou de l'eau qui a commencé à s'infiltrer quelque part dans l'installation. Donc c'est une information importante à surveiller aussi du coup la facture d'électricité pour vérifier si c'est normal ou si effectivement il y a un surcoût et que ça pourrait être dû à un problème d'isolation. Bon, en tout cas, la méthode numéro 1, c'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, je crois que ça m'a coûté 20 euros. Je vous mets les références de ce produit dans la description sous la vidéo, qui a de nombreux retours d'expérience. La note est très bonne. Je vous invite à aller voir. C'est absolument pas un placement de produit, c'est ce que j'ai acheté pour moi. Parce que de toute façon, vu les économies qu'on fait en réparant soi-même, ou au moins en entretenant soi-même, ça a rien de mégoter sur un truc à 20 euros. Pour les profanes, je montre deux choses. À droite, là, vous avez ce qu'on appelle des sucres, des dominos. Ça sert à serrer ensemble des câbles électriques dénudés, lames donc des fils électriques pour établir une continuité. Moi, je vous conseille d'acheter, de commander, de pas trop réfléchir si vous êtes bricoleur et intéressé par le sujet, d'acheter des vagos ou des équivalents pas chers, puisque ça permet de faire la même chose, sauf que c'est extrêmement, enfin, énormément bien plus pratique. Les professionnels d'ailleurs utilisent beaucoup plus ça depuis des années maintenant. Je vous mets les références de ce produit aussi dans la description sous la vidéo. Je crois que je l'ai commandé sur AliExpress pour vraiment pas cher. Vous verrez, allez voir, ça vaut pas trop la peine de réfléchir. Et puis si vous avez des gamins bricoleurs, il vaut mieux qu'ils travaillent avec ça qu'avec ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à trouver votre phase déjà, à apprendre des choses, que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez apprécié cet effort de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez devenir chaque jour un peu plus capable de résoudre par vous-même, quasiment instantanément, les solutions au mille et un problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, vous cliquez dessus, ça vous amènera dans l'épisode précédent dans lequel j'explique pourquoi on ne peut pas se contenter d'appuyer sur l'interrupteur pour couper le courant et intervenir sur un plafonnier, pourquoi ça ne marche pas comme ça. J'explique le risque concret qu'il y a derrière.